tous et bienvenue pour cette 19e étape en direct du Tour de France qui relie aujourd'hui Roanne à Montluçon. Et j'ai le privilège d'être avec Raymond Poulidor, dit Poupou. Alors, mon cher Poupou, une petite question. Au niveau de la stratégie de l'équipe Vittel, apparemment, on a misé sur les Champs-Élysées, juste la dernière étape. Que pensez-vous de cette stratégie ? Avec un directeur sportif de la voleur de Barthaud, il n'y a aucun problème. Je crois que la stratégie sera appliquée à la lettre et d'une façon très intelligente. Les gars, vous me faites un super Tour de France, mais vous manquez quand même un peu de stratégie. L'autre jour, il s'est arrêté. Il n'y en a pas un qui l'a attendu pour remonter le peloton. Ne l'oubliez pas, vous devez tous pédaler pour lui. C'est lui le leader. L'oubliez pas, lui, uniquement lui. Déjà, il faut que tu te couches assez tôt le soir. Il faut boire beaucoup d'eau aussi pour bien t'hydrater, préférence de la Vittel. Bah oui. Et pour gagner sur les champs, il faut que tu mettes une mine, une bonne giclette, mais au dernier moment. Une giclette au dernier moment ? Au dernier moment. Merci, t'as vu, j'ai pris des pommes, j'ai pris des pêches. Salut les gars ! Ça a l'air vachement sympa ! Merci les gars ! Allez, ouf. Tu regardes tes adversaires dans les yeux, droit dans les yeux. Donc il faudra que tu enlèves les lunettes pour faire peur. Voilà. Et quand tu les regardes vraiment comme ça, à mon avis, ils vont avoir peur. Tu crois ? Ah oui, ils vont avoir peur. T'es joli toi ? S'il y avait un maillot bleu, il aurait la couleur de tes yeux. Tu t'appelles comment ? Moi c'est Harry. Salut les filles ! Alors on va passer aux choses sérieuses. C'est moi, c'est Marc. Bah, c'est le leader, stratégie, c'est la stratégie. Ah, j'en ai marre de Marc, là. Toujours à nous donner des ordres et tout, faut être dans sa roue. Mais ça va, c'est le leader, c'est Barthaud qui l'a dit, c'est lui. Ouais, tu vas voir, ma mère m'a appelé, là, au kilomètre 20, tu vas voir, il va y avoir un truc, là. Il va y avoir une drôle de surprise. Monsieur, pardon, pardon. Oh, papa. Tiens, bah, laisse passer la flèche, t'as, il arrive, là. Salut, Marc. Une chute 20 km avant l'arrivée, c'est pas de chance ça. Bon bah moi je vais encourager mon fiston, allez. Ah, c'est quand même beau l'esprit d'équipe. C'est d'ailleurs ce que je ne cesse de répéter à notre stagiaire Willy Roulette, qui viendra d'ailleurs m'apporter un petit café juste après son expression du jour sur le cyclisme. Que signifie poisson pilote, à vous Willy? Oui Cindy, c'est Willy Roulette. Pour le café, on verra demain parce que c'est pas trop mon métier. Moi je suis un journaliste d'investigation. Aujourd'hui, l'expression du jour, poisson pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson pilote? Eh ben c'est un poisson qui pilote. C'est aussi simple que ça. Hein, Zacco? Exactement. Ah bah Zacco est d'accord avec moi. Mais non Willy, le poisson pilote c'est celui qui relance à chaque fois, qui emmène son sprinter. C'est ça un poisson pilote. Et dites-moi mon petit Vincent, vous qui êtes le roi de la stratégie, vous n'auriez pas 2-3 tuyaux pour que je présente le 20h l'année prochaine? Hein? Ouais. C'est mon petit garçon qui a gagné, non? C'est vous, c'est pas vous qui avez gagné, c'est mon petit garçon, arrivez donc! Oh, bah, qui a beaucoup mis un maillot jaune celui-là, ça va pas, non?